Voilà, ça pourrait être un musée, mais c'est encore un lieu de vie. Voilà, puisqu'il y a un artisan qui travaille à l'intérieur. Ça sera un musée probablement le jour où je serai mort. Voilà, s'il n'y a personne qui reprend. Ou... Voilà. Mais en 1996, j'ai repris l'affaire. Voilà, et donc j'ai fait ce choix donc, de continuer à m'occuper de la restauration des horloges comtoises. J'ai fait plusieurs formations chez des horlogers spécialisés parce que mon père s'est très spécialisé au départ sur la restauration du décor. Donc mon père a développé une technique de restauration et il a redécouvert les techniques de décoration, les ingrédients qui étaient employés, la recette. Et ensuite il a développé une technique pour restaurer les comtoises anciennes. Les décors anciens. Bon, quand on m'amène un mécanisme, je le pose ici et je mets les poids, le balancier, et je lance le balancier pour voir si elle démarre. Parfois, c'est juste un problème de calage. Si ça fonctionne pas, je vérifie le calage. Je mets un peu d'huile dans les axes et une fois sur deux, mais les horloges comtoises anciennes qu'on m'amène, elles redémarrent. Voilà. Si ça ne redémarre pas avec le calage et le huilage, ben à ce moment-là, il faut envisager de le faire restaurer. Et donc, je propose au client, je fais un devis de restauration. À ce moment-là, il faut le démonter, il faut rectifier l'usure, voilà, il faut le nettoyer. Voilà. Oui, donc les gens m'amènent leur horloge, qui est souvent en mauvais état, recouverte par les fumées, les vieilles cires, les graisses de cuisine et tout ça. Donc moi, je nettoie le décor. Ici, je retrouve le décor d'origine. Et ensuite, je fais un travail de restauration pour préserver, surtout, l'objectif, c'est de préserver le décor d'origine, les motifs, les couleurs, voilà. Pour qu'elle garde son authenticité, voilà, sa valeur. C'était des décors faits à la main avec une technique très particulière et il faut une technique particulière pour les restaurer. Ben, si vous voulez, je peux vous montrer la technique de décoration, comment les anciens dans le Jura décoraient les horloges comtoises. Alors, les ingrédients, c'est des produits qu'ils trouvaient dans la nature. Des produits végétaux, minéraux, animaux aussi. Ils se sont beaucoup inspirés des professions artistiques, notamment les doreurs et les ébénistes. Voilà, les colles qu'ils utilisaient, les pigments qu'utilisaient les doreurs. Je vais passer mon produit qui va me permettre de faire des effets de faux bois. Et ce produit va ramollir les couches précédentes. Il y a plusieurs couches qui ont été passées dessous. À partir de maintenant, il faut attendre un peu. Voilà, après, on pouvait faire avec la main. L'imitation de nœuds. Il faisait parfois avec le pouce. Parfois, il faisait avec des peignes, des serviettes. Voilà, après, avec un plus foncé, on peut faire des bordures. Voilà, le principe, c'est qu'on enlève la matière pour découvrir le bois. Et donc, c'est le contraste entre le sapin blanc qui apparaît dessous et le faux bois qui donne un aspect un peu qu'on appelle parfois, qui ressemble à la marqueterie. Et ça, on appelle ça parfois marqueterie du pauvre. Si je veux. Je peux faire des losanges. Alors c'est à main levée parce qu'on ne peut pas poser le sous peine de faire des traces. Là c'est pareil, on ne peut pas faire de croquis. Donc il faut y aller franco. Oui, donc une fois que c'est sec, après,
On peut rajouter de la couleur. En général, les rouges et les verts étaient en transparence pour laisser toujours le bois, le sapin là apparent. Et puis, voilà, ils rajoutaient parfois. Parfois, les décors étaient plus ou moins sophistiqués dans leur couleur. Mais le principe du décor de l'horloge comtoise, c'est d'abord ça. Voilà, décor peint et gravé à la main. Actuellement, là, je procède à la restauration de ce décor. Voilà. Donc, toutes les parties blanches, là, sont les parties qui ont été décomposées, voilà, par l'humidité, souvent. Ou, voilà, souvent, on voit les pieds. C'est souvent par les pieds que remontait l'humidité. Donc, je vais reconstituer les couches petit à petit pour retrouver les teintes d'origine et rester le plus proche des teintes d'origine. L'objectif, c'est qu'on ne puisse pas voir que la comtoise a été restaurée. Et là, en l'occurrence, il n'y avait pas de couleur surajoutée par-dessus, il y a juste les gravures. Donc, je vais laisser comme ça et respecter le souhait, le travail de l'artisan paysan qui a considéré que le décor était bien comme ça. Voilà. Moi, j'ai repris l'affaire de mon père en 1996, après avoir fait un apprentissage et avoir été ouvrier pendant quelques années. Et donc, mon père m'a enseigné les techniques qu'il a redécouvertes, techniques de restauration, de décoration surtout, les techniques employées autrefois. Donc il a fait beaucoup de recherches à ce sujet, il est allé dans le Jura, il a fait des essais ici en atelier. Voilà, et moi aujourd'hui je pratique cette technique de restauration et de décoration. Et j'ai fait de la formation pour restaurer les mécanismes aussi des horloges comtoises. Mais je suis très spécialisé sur l'horloge comtoise. Voilà, je ne fais pas autre chose. La grande horloge, je m'occupe de la grande horloge avec le balancier, les poids, le mécanisme. Mon objectif, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a une possibilité de retrouver le décor, de redonner à son horloge sa valeur, sa beauté, de retrouver l'horloge comtoise près de la cheminée, d'oser la remettre près de la cheminée, parce que du coup, elle retrouve sa beauté. Et voilà, retrouver cette ambiance-là. En lisant un bon bouquin au coin du feu, il n'y a rien de plus merveilleux.